est le GOAT Greatest of All Time, soit le meilleur de tous les temps du tennis? D'aucuns ne jurent que par Roger Federer, certains portent au nu Rafael Nadal quand d'autres idolâtrent Novak Djokovic. Aux yeux du second nommé pourtant, il n'y a pas débat en termes de palmarès. Bull a mis tout le monde d'accord cette année en remportant l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. Le Serbe insatiable, finaliste malheureux à Wimbledon et donc passé à un petit succès contre Carlos Alcaraz du Grand Chelem, affiche désormais au compteur 24 victoires majeures sans oublier ses 6 triomphes en master. Ses rivaux balois et majorquins susmentionnés se contentant de 20 et 22 consécrations majuscules de leur côté. Je crois que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques. En ce sens, je pense qu'il Djokovic a de meilleurs chiffres que les miens, c'est indiscutable, note Nadal auprès du quotidien sportif espagnol AS. Et la légende du tennis espagnol d'enchaîner, c'est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspirations, des sensations que l'un ou l'autre peut vous transmettre, pour que vous aimiez davantage l'un ou l'autre. Je pense qu'en ce qui concerne les titres, Djokovic est le meilleur de l'histoire et il n'y a rien à dire à ce sujet. Je le félicite pour tout ce qu'il accomplit, cela ne nous cause aucune frustration. Fair play.